Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Final Fantasy X HD. On reprend, on s'est arrêté la dernière fois dans notre quête effectivement que nous avions entamée avec notamment l'arrivée à Zanarkand, la découverte du poteau rose. Et bien évidemment maintenant, on va devoir effectivement continuer notre chemin par rapport à tout ça. Donc de mon côté, effectivement, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'expérimentations. Je n'ai toujours pas trouvé ce qui me plaisait, mais ce n'est pas grave. J'ai toujours pas pu résoudre un problème. Donc au pire des cas, on va avancer un petit peu dans l'histoire. Je me demande si ça se débloquera pas plus tard. On va... Alors le temple de base, je ne suis pas certain de qu'on puisse vaincre ça là-bas, mais on va tester. De toute façon, on va voir si on meurt, on meurt. Si on y arrive, on y arrive. On va juste faire une sauvegarde. J'ai modifié ma sauvegarde aussi pour avoir le timing à 0 secondes au niveau des courses. Parce que ça commence vraiment à m'énerver. Et là, je pense que vous vous souvenez déjà de ce qui va se passer. Et c'est là où je panique un petit peu. What's up? Something here? I almost got eaten by a fiend here. Payback time. I get the picture. All right, let's go. Alors, juste, je ne sais plus comment s'appelle ce boss. J'ai ressorti mes bouquins. J'ai ressorti les astuces. J'ai recherché tous les bestiaires de toutes les unités, de tous les mobs. Avoir toutes les stats devant moi. Alors. Lui c'est qui déjà? Lui c'est Géo. Géo. Voilà. Il a 100 PV. Tac tac tac. C'est ça. Ok. Je vais commencer par voler. Et si c'est... Ouais, si c'est... Ouais, donc, on va pas pouvoir le faire. Je vous dis tout de suite, c'est mort, mob. J'avais oublié cette attaque. On ne pourra pas le faire. Pour un moment. Après, c'est pas grave. Je m'en doutais. J'avais le problème, c'est vraiment que j'ai pas affronté ce mob-là. Donc, je ne me souvenais pas de ce qu'il fallait faire contre. Donc on leur tourne au vaisseau. Donc ça veut dire que pour pouvoir affronter, il me faut des défigeurs, il me faut faire des équipements. Il me faut faire des équipements anti-fossiles et anti-morts. Défense aussi, il me faut des défis. Il me faut plus de défigeurs que ça. Moria, pas. Au pire mort, j'utiliserai des trucs de vie pour redonner de la vie. Bon. Donc ça, comme je m'en doutais, c'est pas possible. Donc on va juste continuer un petit peu la quête principale en allant à Beveil. Ever give up? You regret showing your face here. We'll strike you down in the name of Yevon. Blah, blah, blah. Yeah, so guys... If they want to fight, let's give them one! Prepare to charge! Stop! Captain? Lady Yuna is not to be harmed. She's no traitor.
That is an evil rumor spread by the Albed. What? Maester Micah himself told me. Then what are we to do? Stun down! As she says! What was that about evil Albed? I do not understand it myself. All Yevon seems to be in a state of confusion. Why, yesterday, they called me out of the blue and made me captain of the guard. Short on believers? Yes, the chaos in the temples is worse than I'd imagined. It's horrible. And all the priests do is blame each other. I worry what will become of Yevon. But no! I must be the rock that stands against the swirling tides, right? Lady Yuna, I must tell you, your courage has been a great inspiration to me. Yeah, that's great, but we came here to see Maester Micah. Is he here? Yes, I shall arrange an audience. Please wait in the courtroom. Hey, wait! What was all that about the Albed lying and stuff? Simple. Yuna has become Micah's only hope. Oh... Okay. Just what does he think he can get away with? Time to teach him some manners. Yes, let's. Why are you here? You must go and defeat Sin quickly. You have obtained the final Aeon from Unalesca, have you not? Well, we did meet her. We fought and defeated her. What? Summoners and guardians will be sacrificed for the final summoning no more. You have profaned and subverted a 1,000-year-old tradition. Fools! Infants, do you realize what you've done? You've taken away the only means of calming Sin. Hey, maybe that's not the only way. We think we've got another. Why? Preposterous, there is no other way! The Grand Maester running away. Spira has lost its only hope. Destruction is inevitable. You Yevon's spiral of death will consume us all. I have no desire to watch Spira die. It won't die. Who is this You Yevon guy? Lady Unalesca also mentioned him. Wait, Gramps! Who's You Yevon? He who crafts the souls of the dead into unholy armor. An armor called Sin. Clad in it, You Yevon is invincible. And the only thing that could have pierced that armor, you have destroyed! Nothing can stop it now. Disappear on us, will you? Rotten son of a Chupa! Where is the Grand Maester? He's not here yet. How long must we wait? That's odd. I'll go look for His Grace. It's you. Come to my room. Okay. Who are you talking to? No one. I must go see the Faith. I see. Hello. I must thank you for the Aeon. So what's up? So,
Have you found a way to truly defeat Sin? Well... Well? We think the Hymn of the Faith might slow Sin down. Perhaps. You mean it won't work? A very long time has passed since your father became Sin. He may not be able to hear the hymn anymore. I know it's a long shot, but we gotta try it if there's a chance. Yes, you must. I'm glad you're doing this. You have a good spirit, truly. I'm not just a dream, right? A dream? It's a long story. If it works, what'll you do then? You need more than the hymn. Well... Well? We fight Yu Yevon. Yes. If you defeat Yu Yevon, it will end. Tell me, what do you know about Yu Yevon? He's what makes Sin come back. Sin is his armor. It protects him. Yu Yevon was once a summoner, long ago. He was peerless. Yet now he lives for one purpose, only to summon. He is neither good nor evil. He is awake, yet he dreams. But maybe not forever. Yeah, that's right. Because we're ending it. Yes. Even if you defeat Sin with the final summoning, Yu Yevon will live. Yu Yevon will join with the final Aeon. He will transform it into a new Sin. Yu Yevon merges with the Aeon. Then, protected by this new Sin he has created, Yu Yevon continues the summoning. For eternity, huh? But you know there is no such thing as eternity if you end it, is there? Uh-huh. Yu Yevon lives inside Sin. Yuna, listen. When you fight Yu Yevon, we will help you. Promise me you'll summon us. I'm afraid your swords and magic won't be enough. Please call us. Promise? Yes. But you know, when it is all over, we will wake and our dream will end. Our dream will vanish. Yeah. You've been dreaming a long time, haven't you? I'm sorry. I'm grateful. About what? Oh, nothing. Hey, don't make that face. Come on, we're gonna beat Sin. Let's see some cheer, okay? You're hiding something. I'm not. Really? You're a bad liar, you know? Sans blague. I'm afraid the Grand Maester is nowhere to be found. It's okay, we were just leaving. Oh, I see. Hey! Maybe you could help us with the hymn. Hey, good idea! It's like... We need you to tell as many people as you can. What should I tell them? A ship in the sky will sing the Hymn of the Faith. When they hear it, we need everyone to sing along. Everyone in Spira! I'm not sure I understand. You don't have to. Just tell everyone. A ship in the sky will sing the Hymn of the Faith? So... When they hear it, everyone should sing along, correct?
If they do, we might be able to defeat Sin. Truly? Yes. That's wonderful. You can count on me. I shall tell all of Spira. On sait tout ce que ça veut dire. I must admit, I was worried at the beginning, but you've done well. One more trial to pass. We'll be bringing a new calm, one that will last forever. C'est ça. All those teachings. What were they for? Sorry, I was just thinking. This will be a battle unmatched in the thousand years since Sin's birth. There's something I want to say before the fight. I guess I didn't know anything about the Albed. Didn't know anything. Didn't want to listen to anything. I was a big jerk. So, I... Well, I'm sorry, huh? Please forgive me. Don't let it bother you. Hey, I'm guilty of hating those darn Yevanites myself. Well, there's a lot of folk in this world. Some of them good, some of them bad. That's all there is to it. Voilà, tout est dit. Allez. The final showdown was... Yeehaw! Here we go! Allez, Zou. Well, this is it, huh? Yu Yevon's hiding somewhere inside Sin, and we're gonna find him. Well, that sounds pretty simple. Hey, simple is the way you like it, right? You got that right. Pops, I'm counting on ya. Right, got you covered. Yeah. How's that? Right on. A singing ship in the sky. I hope everyone got the message. Shreen! All right, we're going in. How are we gonna get inside? The easy way. How else? Figures. Well, let's go. Eh ben, voilà, on combat. Hey, how you plan on getting inside? If we can't get through the mouth, we'll rip open a new one. You with me? Now that's what I call a plan. Petra, a go free do we car? Of course. Of course. All right. We'll give that thing a new blowhole. All you gotta do is jump. Roger. I won't tell you to be careful. Do your worst, kiddo. Roger. Fit. Riku. You... guard! Will do! Voilà! Allez, let's go! Oh, je suis sûr qu'il va me dire un truc. Peut-être qu'il va me donner quelque chose. Any last minute... Non. You're selling stuff? But of course. Once Sin is gone, we'll need... Man, you're dedicated.
Allez, nous on va combattre. I can hear the song. Yes, I can hear the hymn too. They listen to us. We won't let them down. Yuna. You don't need this anymore, right? Right? Hey guys? Guys, that's not good, yeah? Vive les bugs. On va y arriver. I can hear the song. Yes. I can hear the hymn too. They listen to us. We won't let them down. Yuna. You don't need this anymore, right? Right? Huh. Hey guys? Guys, that's not good, yeah? Oh.
Il est pas du tout énervé. Maintenant, faut s'approcher et on y va. C'est mort, il faut que je mette trépant. Je pensais que ça allait faire plus mal que ça. Allez, à chaque fois que je lance un sort, il fait ça. Parce que si c'est le cas, je vais utiliser le petit laser. Bah. Si à chaque fois que je lance un sort, il me fait une représaille. Ah, ça par contre, faut qu'on dégage. Tidus. C'est une attaque qui va faire très mal si on est au corps à corps. Ça c'est fait. Yuna, tu peux revenir maintenant. Un petit soin plus sur toi. Lulu, tu peux revenir aussi. Maintenant qu'on a distance, tu peux lancer tes sorts sans trop de risque. Voilà. Ah, il nous a annulé tous les trucs, ok.
J'invoque pas de chimère parce que c'est que le début du combat de boss. Hein. Je veux s'imaginer que si je commence à invoquer les chimères dès maintenant, ça craint. Lulu, Riku, vous me posez une question, tu peux voler quoi, monsieur? Un peu d'encouragement. Force constitution. Comme ça, ça va être un peu plus résistant à ces coups-là. Utiliser une potion albette. Alors, il y a un truc qui m'interpelle, qui m'arrive. Ah, t'as pas percé. Oh. Ouais, pourquoi il a pas fait de dégâts tout à l'heure? Bon, déjà, mine de rien. Ça craint. J'aurais dû appeler Riku devant une potion de soin. Voilà. On va s'éloigner un petit peu, on va se soigner. Parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Magie, plus. Hop. Normalement, je pense que ça donne 2000 idées plus chères. 2000. Non. Appel qui m'arrive. Alors, on va te donner un petit coup de boost aussi. Ah bah oui, je suis bête, il est de se resserrer de Tidus qui m'arrive. Donc je vais pouvoir me booster avec. Voilà. Closer, go closer. Hop. Voilà. Comme ça, je suis sûr d'avoir le DPS maximum possible avec les trois là. Et je pense comprendre comment ça se fait que je me prends des coups de corps à corps. En fait, c'est pas la magie, je pense pas que ça représaille. Mais je me demande si c'est pas autour de Sid quand je suis au corps à corps qui fait ça. Non, c'est autour du boss. Toi, d'avoir boosté ce que j'ai fait. Ah ouais, là d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir pris le temps de les booster, etc. C'était une très très bonne idée.
Anuora. Donc ça c'est pour enlever toutes mes trucs d'aura que j'ai. Donc tout mon booster plus va disparaître. Ce bras là il est bon. Mais parce que je vous rappelle qu'il y a deux bras. Here goes. Everyone, hold on to something. Here we go. HP à notre pureté. Got it. Couldn't have done it without you. All right. Everyone look sharp. Time to hit the other side. Easy for you to say. Ah, Luna va venir. On va mettre un petit coup de magie. Comme ça déjà tout le monde va dû revenir. J'ai l'impression qu'elle est vraiment anti le personnage. On va appeler lui. En exagérant, je pourrais rester à cette distance-là et même pas m'approcher que ça marcherait. Mais bon, vu que ça n'avait pas de dégâts. Peut-être qu'elle m'a pris Tidus quand même pour m'approcher quand même du boss parce que bon. Non, ça va être bon, hein. Ça va être bon. Hein. Ce coup de bras fait mal. Théorie. Ouais, c'est ça. Ah, par contre, tous mes boosts que j'avais ont sauté, par contre, ça veut dire. Tout le monde perd booster.
Donc non, c'est aléatoire, le Anu machin. Ça c'était pas prévu que je me prenne un coup de main dans les dents. Soit plus suffisant. C'est là où je suis en train de me dire, j'aurais dû farmer les armes légendaires avant, parce que là j'aurais dû... des trucs bien plus puissants à l'heure actuelle. Marie de mémoire à booster. Exact. Donc. Ah punaise. Il est chiant l'ennemi pour ça. De mémoire, le boost c'est 5 fois que je peux le mettre. Par hasard. Je pouvais pas reculer là. On va faire ça comme ça. J'ai décidé une tonne de mana. Et c'est pas fini. Hein. Ah, déjà booster. C'est pour ça en fait que tu prends autant de sorts. Alors, on va augmenter encore un petit peu la résistance. On va mettre Auron en place. Nickel.
J'aurais bien aimé le garder pour après, mais bon. Normalement, il faut quand même qu'on lui fasse des dégâts. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Limite. Sphère clé niveau 3, brassard de pierre. Brassard de pierre, c'est une protection contre le... contre l'état fossile. Non, we're going in. Every blitzer knows. When you got the ball, you gotta score. A day with you is never dull. Hey, star players first. Meuf de qui casse, hein. Oh la vache. Brasilix, ça devrait faire. Ah, pour se régénérer. Il est mort, déjà on avance. Déjà un mob de moins. Donc d'où tu vas plus bas, mais... je ne sais plus, là je ne connais plus trop les,
Les boss là, je sais qu'il y a trois phases, qu'on se tape plusieurs phases. Il y en a même une quatrième, je crois, phase. On a fait deux bras, on va faire le dos, il restera le... Il restera autre chose ou pas derrière? Je ne sais plus. Quasiment, ouais, trois quarts de vie ma chimère, c'est bon. Hop, t'arrives. On va réinvoquer avec Overdrive avec ma capacité de lumière. J'espère 12 000 à peu près, les gars. Plus que prévu, donc c'est bien. Plus de dégâts que ce que je pensais. Elle a encaissé deux attaques. Je lui ai infligé 20 000 points de dégâts en tout. Hein? Il m'a pas tué alors qu'il m'a enlevé 3000 PV avant. Bon, pas grave. Bon, j'ai déjà fait mal quand même à Bouboule. Les trois boules sont tombées. Donc. Et ben sur Bevel. It's going to come back, isn't it? I know. What? You're kidding me! No, we have to beat the guy inside, Sin. The Crusaders would be out of a job if it was this easy, huh? But it has weakened, I'm sure of it. Bah, tu m'étonnes. Yeah, we're winning! All right, I'll do what I can with the main gun. Donc avec trois phases, ça va. C'est que t'es que trois phases, ça va. Par contre, j'ai pris tellement tarif. J'aurais dû refaire le combat tout seul et j'aurais vu que j'aurais pas été à niveau quand j'avais tout préparé. Mais ce n'est pas grave.
4 points de magie, 4 points de... Voilà. Un peu d'esquive, ça fait pas de mal. Un peu de force, ça fait pas de mal. Tidus, t'es quasiment au bout de ton sphérié. Et tu récupères un petit peu de PV en plus. Donc maintenant, je suis en train de réfléchir aussi pour plus tard. Donc magie et esprit, c'est nickel. Bah Riku, t'as fini toi. Ouais, je vais en faire un mage. C'est rare que j'en fasse un mage, Riku, mais je me dis ça peut être l'occasion. Que par défaut, il y a quand même pas mal de mana. Quand on y réfléchit un petit peu, Riku. Formation, Titus ici, Riku là. Hey, 225 de mana. Man, we must have hit that thing enough by now. Man, we must. Une seconde dialogue. Toi, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu dis quelque chose? Fimshin, nimo nadim yeke. Oui. Pop's machina always seem to break when you need them most. I think it's a little early to start celebrating. Oui, il est encore debout, on va éviter de crier victoire trop vite. This isn't over, not yet. Sin still lives, Kimari knows. D'ailleurs, équipement. Très bien. Pas bien. Yuna, t'as quoi? T'as truc contre ton zombie, c'est bien ça. C'est bien. Fossile plus poison plus tu as, nickel. Brassard. On prend brassard de pierre. May I help? T'as quoi me proposer en équipement? Ah, par contre, elle m'intéresse ça. Thank you. Qu'est-ce qu'ils mettent en équipement, les trois gars? Coudière, targe, bouclier. Welcome. Coudière, targe. Ah putain, c'est du tétra. C'est pas ce que je pensais. Thank you. Mais ça a pas changé? Ou je regardais mal depuis tout à l'heure? Je regardais mal depuis tout à l'heure, je regardais ce que j'avais, je regardais pas ce qu'avait les aides. Thank you. Je regardais pas les bonnes choses. Toi, tu vas prendre riposte. J'ai cru qu'ils vendaient des trucs fossiles, tout ça, donc ça, c'est pas les allitérations que j'espérais. Que je cherche, est-ce que si je peux avoir toute une protection contre fossiles dans mon équipement de tout le monde, ça m'aurait bien arrangé à ce moment-là. Et pour l'eau, surtout, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le temple de Bague, ben, il y a eu une attaque fossile que j'avais totalement zappée.
I wonder if Serject is in pain. Let's just end this, quickly. The Faith said they'd help us, right? It bothers me, the way they said that. Huh? I mean, they've been fighting alongside us this whole time, but now they say they'll help? I guess so. Wait. Sin is reborn when Yu Yevon merges with an Aeon. Isn't that right? If I summon an Aeon, Yu Yevon will join with it. But at first, it'll be small, won't it? Yeah. Then we might be able to beat it without the final summoning. I don't know. What if Yu Yevon jumps again? Then we'll take it down again. We'll fight him until there's no place left to run. I never thought it would come down to this. Yeah, I know. Hey, the Faith, they're tired of this whole thing too. Let's let them rest. The Faith said it's pointless to keep dreaming. The dream will disappear, he said. What did he mean? And what is it that Yu Yevon is summoning from within Sin? The dream of the Faith. You won't go away, will you? Yui, guys! Come look! Something's happening to Sin! Uh-oh. Waiting for you. Well, son, the main gun is still busted. We can't give you any cover fire. Hey, just take us in. We'll do the rest. All right. Take us up, flush to the mouth! No mistakes, or I'm gonna tear out that mop you call hair. Trust me. Me take you there. No problem, yeah? Let's get ready to blitz! Let's go. Just you and me. Hey, on y retourne. De toute façon, j'ai une sauvegarde de backup, la sauvegarde 5 au cas où. Ces cinématiques qui bug sont quand même vraiment énervants. Avant, on n'a pas eu de bug dans tout ce... au troisième round qu'on a eu avant de combat. Ça aurait été bien agaçant. Coming for you, Dad.
Intéressant l'idée que j'ai eue quand même. Non, c'était pas toi que je jouais, c'était lui. Ouais, et je crois que c'est tout contre le monde parce que si jamais. On va prendre ta vie. Voilà, c'est cette attaque là qui donne les allitérations qui me pose problème. Folie, zombie ou fossile de mémoire. Assez de dégâts. Reste toujours 60 000 PV, on est encore très loin du compte. Tout, ça se passe pas comme prévu. Soit je joue avec, soit je tente Jimbo avec un coup de chance qui me fasse one shot de l'adversaire, soit je sors Bahamut. J'ai pas souvenir d'être déjà arrivé à ce stade là de ce boss là. A mon avis je vais prendre tarif. Voilà, donc je vais faire un méga atonium directement. Si tu survis, très bien, si tu survis pas, tant pis.
23 000 Giga Gravitron. Bon, bah, nous avons une réponse. S'il utilise son attaque, on est mort. Ce qui pose un petit problème, c'est que j'ai envoyé le plus épais que je pouvais et j'ai pas pu le faire tomber. Ça, c'est un problème. Donc, je ne suis pas assez au level. Voilà, les réponses sont là. Si je ne peux pas le faire tomber là, c'est que je ne suis pas assez haut en level. Est-ce que je peux fuir le combat? Oui, je peux fuir. Je peux fuir. Forêt de Macavania, j'aimerais. Bon, on a l'explication, on est passé au bon level. Donc ça veut tout dire. Comme du 700 points de dégâts sur un flambeau quand même. Finalement résistant au corps à corps. Sans perdre sa armure. Alors nous on va aller sur le côté droit. Donc on a deux gros soucis. Un le level, deux l'équipement. Donc c'est à dire que je n'ai pas assez farmé. Oui, je suis au courant. Donc, il n'y a toujours pas. Welper. Ça, c'est une des sphères de Jet. Zanarkand, are you not? What of it? Watch your tongue, knave. Ah, my apologies. I am Braska, a summoner. I've come to take you from this place. Sounds sweet. What's the catch? That easy to see, was it? I soon leave on a pilgrimage to Zanarkand. Seriously? I would like you to join us. It will be a dangerous trip. Yet, if we do reach Zanarkand, my prayers will be answered, and you will be able to go home, we think. What say you? Great, let's go! So quick? Anything to get out of here! Then it's settled. But I must protest. This drunkard, a guardian? Hey! You want to step in here and say that? What does it matter? No one truly believes that I, a fallen summoner wed to an Albed, could possibly defeat Sin. This is what they say. No one expects...
expects us to succeed. Braska, sir. Let's show them they're wrong. A fallen summoner, a man from Zanarkand, and a warrior monk doomed to obscurity for refusing the hand of the priest's daughter. What delightful irony it would be if we defeated Sin. Stop gabbing and get me out of here. Intéressant. Free at last. Now, Jekt. I am in your hands until we reach Zanarkand. Right, right. So, what's a summoner anyway? Ouais, et après un nouvel overdrive, vu qu'on a découvert quelques sphères, 3. Donc maintenant on peut retourner à Bevel. La personne mariée disparue, c'est lui. Voilà. Pas si haut le grain. J'ai oublié un truc. Voilà, j'ai oublié de lire ceci. Donc déjà, ça c'est débloqué. Maintenant que j'ai ce lieu-là. Il nous sera utile pour débloquer les armes légendaires. Maintenant on va retourner à Pleine Félicité. Parce que c'est plus rapide comme ça. Pleine Félicité. Voilà. Sauf maintenant, faut aller au temple. Normalement, au temple, je devrais avoir accès à la course. En fait, il y a deux courses. Il y a la course ici à faire qui, si vous arrivez à 0 secondes, permettra de débloquer l'un des sauts pour vos armes légendaires. Il faut deux sauts par arme légendaire pour débloquer leur pleine puissance. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. Et ça permet de débloquer une seconde course. Cette seconde course, c'est ici, celle que j'ai déjà tenté à maintes reprises de lancer, mais qui bug et qui ne marche pas. Donc vous voyez la course en dessous, en fait vous avez une course à faire et il y a des poteaux à toucher. Donc en fonction des poteaux que vous touchez, vous débloquez plus ou moins de récompenses. Si vous en touchez 0, vous débloquez
un miroir, et ce fameux miroir, il faut l'amener là où on est allé à l'instant qu'on a débloqué. Le souci, c'est que normalement, en parlant à ce chocobo-là, normalement, ça me propose de faire une course. Sauf que pour une raison inconnue, moi, c'est totalement bugué. Et ce qui est dérangeant, c'est que j'ai accompli ce qu'il fallait pour le débloquer. Donc, c'est-à-dire finir l'autre course. Donc, je vais voir si c'est pas un bug. Je vais refaire quelques combats ici. En espérant que ça va permettre de débloquer le... I will be the judge of your aeons. On va affronter les frites. Hop. Now, are you ready? J'ai aucune idée du nombre de PV qu'il y a, les frites, hein, je vous dis honnêtement. Choose your Aeon will, summoner. En même temps. En hors ligne, faudra que je récupère, enfin, hors vidéo, faudra que je récupère et capture tous les monstres du centre d'entrée du mont Gagazet. Glacier X, enfin 10. Parce que vu que c'est le feu, son élément en face, il ne va prendre quasiment aucun dégât. Voilà. Pourquoi je fasse ça? Que je fasse ça, c'est pas ok. Donc c'est à peu près kiff kiff les dégâts. Sauf qu'un intérêt, c'est de regarder l'ordre des attaques. En tapant, par contre, j'ai une chance de faire un crit. Bon, bah, déjà mort. Ok. Bon, peut-être plus simple que prévu. Stop. That is enough. Ah, you have me. Take this. If you've got. Ixion. Very well. Before we begin. Voilà. De toute façon, nous on va continuer avec Bahamut. Quand même que je m'attaque quand même à la capture des mobs. Pourquoi je parle de ça, c'est qu'en fait pour débloquer dans ce temple il y a une chimère effectivement. Et pour le débloquer, il faut débloquer certains objets. Pour avoir ces objets, il y en a une que vous débloquez en faisant les combats contre justement notre adversaire actuel. Et il y a un objet que vous captez. Vous débloquez en fonction de ce que vous faites au centre d'entraînement, c'est-à-dire en fonction des captures de mobs que vous avez fait. Donc il y en a un qu'on n'aura pas le choix de faire. La seule question que je me pose, c'est toujours à ma vie, c'est est-ce que je fais plus de dégâts avec un sort de magie avec une attaque de corps à corps. Kiff kiff. D'accord, en position défensive.
esquive. Je me souviens pas de ça. Donc si en mode esquive, on va faire comme ça, ce qu'on va faire. De la magie. La position offensive. Si maintenant il est en mode esquive, on va l'attaquer avec la magie. En mode esquive, bon bah. C'est quoi? On t'en fout une. Oh, bien joué. Bon, on arrête qu'à le tuer. Et 24 000 points de dégâts, au revoir. Stop, that is enough. J'aurais peut-être pu utiliser Pulsar comme il est en mode esquive. Pulsar est une technique, donc il n'y a pas d'esquive. Ah, you have made some progress. Take this. Diplôme de Chocobo. Intéressant. If you've got... Very well. Before we begin, now, are you ready? Donc maintenant, Shiva. Choose your Aeon. Alors, même coup que les fois d'avant, est-ce que ça fait plus de dégâts? Le sort ou attaque au corps à corps? Kiff kiff. Par contre, ouais, je viens de penser juste après, l'avantage du sort, c'est qu'il ne peut pas esquiver. Même si j'ai pas la chance de faire du critique, et vu que Shiva est quelqu'un, enfin une chimère qui bouge beaucoup sur la rapidité et l'esquive, est-ce que sera résistance? Ok, bon bah, elle est finie. Suivant. Stop, that is enough. C'était rapide. Take this. 60 méga potions, pas mal. I will be the... Bah, mute maintenant. Very well. Before we begin, now, are you ready? Ensuite, je sais ce que je vais faire. Manque de bugs, la chimère que j'aime bien, je peux pas la voir. Donc nous allons invoquer Yojimbo. La chimère où il faut de l'argent pour qu'elle combatte.
Après, il y a une chimère qu'il faut qu'on débloque, c'est encore Anima, qu'on a déjà vu ces mots utilisés, celle qui se débloquera. Et bien évidemment, la chimère secrète de ce temple. Donc il faut aussi qu'on débloque. Ouh, une attaque gratuite. Oh. Motivé. Ouais, c'est une 300. Allez. Bon, ouais, attaque ultime. L'attaque qui peut one-shot n'importe quelle unité du jeu, n'importe quel boss. Voilà, fini. Le combat était rapide. Voilà, on a débloqué, donc... Yojimbo, on va affronter, ça sera déjà fait. Et les deux dernières chimères, il faudra qu'on les débloque pour les affronter. En fait, la logique de ces combats, vous n'affrontez que des chimères que vous avez affrontées, enfin, que vous avez débloquées. Donc, vu que je ne peux pas prendre du Jimbo, mais on a vu les trucs qui étaient fumés sur lui, bon, on va prendre une autre chimère. En sachant que de mémoire, son attaque, c'est pas Game Over s'il fait l'ulti. Vulnérabilité aux éléments. Voilà. On va peut-être voir toutes les attaques. Donc Degoro, l'attaque du chien, il y a 4 attaques. De toute façon, c'est mob. Il y a ça, il y a le petit lancer de couteau de sa poche. Il y a l'attaque qu'on a vue quand il est arrivé, l'attaque de son sabre. Il lance effectivement une rafale devant. Et l'attaque ultime qu'on a vue notamment aussi. Bon bah il est déjà presque mort. Presque triste, il est presque trop simple. Oh c'est mignon, il m'envoie toujours son petit chien. Allez. Voilà. Voilà, comme ça, pendant ces deux combats-là, on aura vu toutes ces attaques. Bon, fini. Stop. Ah, you have... Take this. Des magies rocs noires. Donc. Là, on peut pas affronter Anima et la chimère secrète d'ici parce qu'il nous manque des objets. Voilà. Pour débloquer ce lieu-là, donc on a débloqué avec vainquant Bahamut l'un des deux objets pour débloquer ce mob, enfin, cette chimère. Il faut donc qu'on arrive à débloquer le deuxième. Le souci que j'ai, c'est que j'avais totalement oublié qu'il fallait monter le temple. Enfin, qu'il fallait récupérer des mobs. Bon, vu que c'est toujours bugué ici, je vais faire quelque chose. Attendez. Hop. Thank you.
juste un instant. Alors. Alors. Donc, vu que ça parle vraiment de Swiss. Tac. Voilà. On peut pas faire à course, donc à un moment ça me saoule. Donc on va. J'ai toujours pas trouvé d'où vient le bug. Donc je me suis. Là j'ai édité la save et je me suis donné l'objet qui me manquait. Voilà, la save éditée. Vous voyez de toute façon édité. Voilà. Donc. En faisant la course, normalement vous avez en dessous, vous débloquez, si vous faites récolter 0 bâton, le miroir terni. Ce miroir terni, on va retourner au vaisseau. On va retourner à Macalania. List Macalania. Là où nous avons retrouvé l'enfant, nous allons pouvoir... transformer cet objet en miroir céleste. Et ça marche enfin. Je sais pourquoi il fait pas, elle fait pas encore beaucoup de dégâts, Riku. Parce qu'elle manque pas d'esprit de magie. Mais bon. C'est un bon début déjà en tant que magicienne. Elle me sera bien pratique dans les combats aquatiques. Donc nous allons retourner sur notre fameux chemin qui a. Hop. Nous allons aller ici. Nous allons aller là. Et si nous amenons le miroir ternier ici, nous débloquons le miroir céleste. Miroir des sept astres. Voilà. Et maintenant qu'on l'a débloqué, nous allons pouvoir donc transformer les objets que nous trouvons, les objets légendaires, en... Vous voyez, c'est passé de l'un à l'autre. Donc pouvoir effectivement transformer certaines armes en armes légendaires. Donc, il faut qu'on débloque les sceaux pour aussi débloquer la force qui va avec. Je vais vous montrer. Bah, attendez, j'ai pas un objet déjà ici que je peux déjà débloquer. Non. Ok. Donc, nous allons retourner faire la course. Celle qui bug pas, bien évidemment. Donc, nous allons aller. Voilà, là, le vaisseau, vous voyez, je fais beaucoup de retours entre ma sœur de sauvegarde, le vaisseau. Donc. Donc voilà, si jamais il y en a qui est au courant de... Sauf que je suis à level, c'était à côté, c'était... Pleine félicité, je me suis planté de lieu... Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on peut déjà quitter le combat du boss et retourner explorer un petit peu, c'est déjà bien. Voilà. Donc, course. Donc, comme j'ai déjà fait le course à 0 seconde, enfin, plutôt, j'ai modifié le timing, comme ça, moi, je suis pas emmerdé. Donc, on essaie de la faire sérieux. Pas grave.
Oh. En fait, faut faire une course à 0 seconde pour faire un truc. Je m'en fiche totalement d'arrêter de toucher, j'ai déjà fait à 0 seconde. Ouais, le timing normal. Non, ça suffit. Ouais. Et quand vous arrivez à faire ça, je vais juste prendre un chocobo, ça te dérange pas. Et l'une personne bouge. Cette personne ici. C'est alors, t'as un sacré cavalier, toi, j'aurais jamais cru que tu pourrais battre. C'est une belle cause, j'ai même quitté mon poste pour venir voir. Il croyait qu'il a croyé un vocable, comme quoi même les champions, il y a des jours. Alors, je crois que la version actuelle a changé un truc. Je crois qu'il ne faut plus faire une course à 0 seconde, soit simplement le fait de la battre permet de le bouger. À vérifier et à confirmer, je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Donc, ça permet de faire la chose suivante, c'est qu'en fait, ce garde-là, il est ici. Il vous empêche de descendre ici. Et avec le fameux miroir, et cette race réagit, vous l'utilisez. Vous débloquez l'un des sauts les plus durs à obtenir du jeu, avec celui où il faut esquiver 200 fois la foudre. D'affilée. Voilà. J'ai récupéré Ultima, l'arme légendaire de mon cher Tidus. Ultima par défaut, vous voyez que si je compare à Fraternité... Oh. Lui, je suis en train d'avoir deux fois plus de points d'expérience. Me donne 0 points d'expérience. C'est-à-dire que actuellement l'arme ultime, si elle n'est pas montée, c'est une grosse merde et ça... Non mais je le dis honnêtement. Hein. Hop. Ouais, hop. Allez, point shot. Allez, bisous. Yuna, tu viens. Donc, ça enlève 900 PV. Le... Et il me reste que Lulu qui a pas combattu. Donc, Lulu, tu vas venir. Les deux seules sorts que tu as pendant d'utiliser, c'est eau et c'est feu. Foudre et glace font les dégâts normaux. Tu le foudres un petit peu ses dents. Et voilà. Targenix. Donc nous en et là je vais vous montrer juste un truc. Donc si vous avez que l'un des deux sauts, votre arme légendaire n'a pas son pouvoir au maximum. Si vous avez les deux sauts, votre arme légendaire a sa force au maximum. Vu que j'ai débloqué Ultima, je vais vous montrer ce qui se passe si je retourne là où j'ai débloqué le miroir. Avec l'arme d'ailleurs, j'avais juste pensé à un truc, lui il a débloqué. Un level, j'ai même pas eu donné. Voilà. Formation au rond. Bien, en tout cas, c'est bien sympa, le tout poison. Avec Riku. Voilà. Ben, nous avons quitté ici. Puis après, nous irons acheter les objets qu'il nous faut pour pouvoir capturer les mobs et remettre en fonction le. J'allais dire le temple, mais le centre d'entraînement, excusez-moi, j'ai me trompé dans le nom. Voilà, donc, nous retournons ici. De toute façon, vous reviendrez beaucoup ici avec les objets. Mon but, c'est juste d'illustrer mes propos et de vous montrer ce que ça fait. Donc après, moi, je vais juste chercher après les sauts, tout débloquer à ce niveau et on sera bon. Donc, présentez-moi les armes des 7 astres antiques. Donc, Tidus va présenter son arme avec le sabot solaire. Les armes sont magnifiques. Hein. L'arme a été renforcée. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand l'arme n'est pas à son pouvoir maximum. Que vous compreniez juste une chose. Non, on arrête là. Tidus, si aujourd'hui je prends Ultima pour avoir un truc, vous voyez qu'il y a Overdrive x2. Par contre... Tant que l'arme ultime n'est pas
Enfin, tant que vous n'avez pas tous les sceaux de l'arme, l'arme ne vous donnera pas d'XP. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai aucun intérêt de m'amuser à continuer à les utiliser tant que je n'ai pas tous les sceaux pour les débloquer. Donc c'est pour ça que nous, on va continuer à les débloquer pour effectivement commencer à avoir les armes multi. Au niveau des armes, donc chaque arme a un symbole et un sceau, et il faut les deux pour enlever le malus. Chacune leur efficacité, etc. Top. Donc, une chose à savoir sur les armes ultimes, c'est ces armes ont un lien avec vos PV. Je ne sais pas si c'était changé la version remaster, mais c'était le cas dans les versions originales, c'est-à-dire que moins vous aviez de PV, moins l'arme tapait fort. Excepté au run, où plus moins il y avait de PV, plus il tapait fort. Voilà, c'est une des spécificités à ce niveau-là. Vous avez donc aussi deux armes légendaires pour les magiciens. Et eux, c'est lié à leur point de magie qui est pris en compte, donc leur MP, non pas leur PV. L'avoir les armes à leur capacité maximum permettra de débloquer de manière maximale la puissance de vos personnages. Je m'explique, c'est-à-dire que chacune des armes légendaires, cet astre, est liée à une chimère. C'est-à-dire que chacune d'entre elles va permettre de débloquer, enfin de faire sauter à la limite de dégâts de vos chimères. Aujourd'hui, si vous avez fait attention, Valfor, Ifrit, Ixion, Shiva, Bahamut est une exception parce que lui peut faire des dégâts tout de suite au-delà de 9989. Tous celles-ci ne peuvent pas dépasser cette barre de dégâts. Le seul moyen de le faire est donc de débloquer l'arme légendaire associée à la chimère pour pouvoir justement leur donner la force de dépasser ce moment-là. Et ceci n'est possible qu'une fois que l'arme est à sa puissance maximale, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez combiné le saut et l'autre partie, le saut et le simple. Au niveau de Tidus, donc on a débloqué Ultima, on la débloque, vous voyez il faut faire la course, il faut gagner la course et il faut avoir le miroir des stats pour la libérer. Le problème c'est que si vous faites la course et que vous n'avez pas le miroir, bah, ça marche pas. Le symbole solaire, vous avez vu où j'ai récupéré, je vous rappelle, à Zanarkand. Pourquoi j'ai récupéré après avoir battu Yunaliska? Pour une raison simple, c'est que si j'y retourne, j'aurai une chimère purgatrice, et chimère purgatrice étant des chimères. Des boss additionnels ultra fortes, et là c'est du ultra late game où c'était pas le but de les faire ensemble. Pour récupérer le sceau solaire, donc on a débloqué. Alors attendez, c'est bien ça. Le sceau solaire, il faut maintenant. Sauf erreur de ma part, le saut solaire. Alors attendez, je vérifie juste un truc. Je suis en train de reprendre mes notes, mais je suis en train de vérifier en même temps en ligne. Il y a un truc qui m'interpelle. Temple de Rhenium. Le saut solaire, je débloque pas en vainquant les 8 chimères. Non, c'est le saut lunaire, autant pour moi. Mais je débloque. Trou de mémoire. Le saut solaire, j'ai débloqué. Ah ah! Je ne sais plus où elle débloque celle-ci. Normalement, je dois débloquer quand j'arrive à faire la course à 0 seconde. Ah ouais, il y a un truc qui m'interpelle parce que le... Je regarderai hors ligne, je m'en occuperai de celle-ci, c'est pas grave si on va pas débloquer ensemble. Donc, je reprends toutes, on va commencer par Auron. Auron, il faut l'épée rouillée. Après avoir mis la main, rendez-vous à route de Dol, sera pas où vous étiez après le combat contre le boss. Bo-
sauf qu'il faut pas que j'aille. Je crois de me souvenir comment on récupère le symbole solaire. Dirt. Oui, il me faut tes objets pour les capturer, s'il te plaît. Il va me falloir celle-ci. Oui, il va me falloir. Et la balle. Je vais te prendre aussi la balle. Je vais t'acheter aussi la balle de collection. Ouais, ça permettra de les capturer. C'est bon, merci. Je crois que je sais où est-ce que j'ai merdé pour avoir le sous solaire parce que la course est faite. Non seulement il fait que je la termine, malgré que j'ai fait le. J'ai mis à 0 secondes, il fait que je la batte. Et vu que j'ai pas battu, ça n'a pas marché. Donc il faut que je retourne voir. Bon, de toute façon, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas parce que nous, actuellement, ce qui nous intéresse, là, je suis en train de partir sur deux trucs à la fois. Je suis en train de partir sur la capture de mobs et je suis en train de partir sur les armées légendaires. Faut d'abord finir les armées légendaires, sinon ça va pas passer. Auron. Alors, oui, j'ai pas fini de dire une chose. Effectivement, il y a une limitation de dégâts. Avec qui ça saute? Tidus fait sauter la limitation de dégâts d'aucune chimère. Il est lié à aucune chimère. Auron est lié à Yojimbo, donc ça permettra de faire sauter une restriction de dégâts de Yojimbo. Riku est lié à aucun mob. Waka est lié à Ifrit. Lulu est lié à Shiva. Yuna est lié à Valfor. C'est après tout sa chimère de base. Ixion est lié à Kimari. Voilà, comme ça vous savez qui est lié à qui. Donc il y a trois chimères que je n'ai pas citées. Anima, Bahamut et une autre chimère dont je vous tairai le nom pour le moment. Ces chimères-là, effectivement, leurs dégâts sont pas limités. Après, Yojimbo a un cas spécifique, je vous l'ai de Zamato. Route de Doge, non. Canyon des Mikore. Here we go. Ça coûte un bras et demi, mais j'ai pas que ça. Enfin, si j'ai le choix, mais à un moment, c'est pour du gain de temps. À notre niveau. Donc, nous récupérons un Chocobo. Avec ce Chocobo, donc, c'est pour aller plus vite pour éviter de me taper les combats, parce que j'avais appris de les faire. Je vais être très franc. On a déjà récupéré tous les objets intéressants ici. Donc, nous avons récupéré, je vous rappelle, l'épée rouillée. Avant d'aller au temple de Yojimbo. Avant d'aller dans la grotte du prix envoyé. Nous sommes passés sur un chemin latéral et nous avons récupéré une vieille épée rouillée sur une statue. Cette épée rouillée est la base pour débloquer l'arme légendaire de... Nous devons aller à un endroit pour effectivement que ça fonctionne. De mémoire... Bon, puis je vais capturer déjà. J'ai capturé déjà les mobs déjà de cette zone là. C'est intéressant. Je savais pas que je pouvais déjà les capturer.
Voilà, vous avez capturé, voilà, ça me permet de... Ça vous donne quand même XP derrière. Voilà, le seul truc inconvénient que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de scaling des zones avec le temps. Il est mort, il faut aller ici. Here we go. Et vous pouvez capturer chaque exemplaire 10 fois. Voilà. Donc nous allons monter ici. Et nous allons présenter les perruillés ici, à cet hôtel. Qui va me permettre d'évoquer un saut. Et si vous utilisez une aura de cet astre. Voilà, Massamune, débloqué. Voilà, pour... Il est de partie qui fait partie. Nous avons donc, je rappelle, deux parties. Nous avons effectivement le symbole de Saturne qui se trouve dans l'ancienne route de Miel que nous avons déjà récupéré. Là où vous tombez si jamais vous n'avez pas vaincre le boss du Chocobo. C'est un moment qu'on a récupéré. Et le deuxième saut, vous l'avez une fois que vous avez débloqué, une fois que vous avez récupéré 10 mobs dans chacune des catégories. Voilà. Autant vous dire que ça prend un moment. À avoir Madame Hume à la puissance maximale. Riku. Riku, on la débloque avec Godhand. Je vous rappelle, c'est qu'on est allé dans le, on a tapé effectivement dans le canyon des Mikore. Il y a une arme qu'on ne pouvait pas débloquer sans avoir le fameux miroir qui allait avec. Maintenant que nous avons le miroir, nous pouvons donc le débloquer. Et merde. Oh bah je suis mort. Et là je suis mort. J'avais réussi à les esquiver, je les ai touchés, donc la chimère ils m'ont attaqué avec la chimère purgatrice. Donc là, déjà si vous êtes à fond au niveau d'élevage, que vous avez tout à fond, vous avez une chance déjà de perdre assez élevé. Alors je vous laisse imaginer là, alors que je suis vraiment hors level. Ce qu'on va faire juste pour un petit gain de temps pour moi. On va éviter de refaire la même connerie. Mon but c'est quand même de vous présenter quand même plus de choses possibles. Donc, sans pour autant que ça soit trop long. Donc je vous laisse imaginer qu'effectivement hors ligne, je vais encore devoir avancer beaucoup de choses avant qu'on reprenne ensemble. Bon, moi voilà, ça permet déjà d'avancer un petit peu sur les armes légendaires à notre niveau. Il faudrait que je fasse quête secondaire des pampas pour débloquer ça. Voilà, on va redébloquer.
En fait, il y a toujours une partie qui est assez simple à récupérer, une partie qui est très dure à récupérer. Donc, pour Riku spécifiquement, il faut avoir le code Godens pour récupérer l'arme et le miroir des 7 astres. Je ne sais pas si je peux partir à droite. Des figeurs. Donc là, ça me permettrait de retomber sur mes pieds, de retomber. Ouais, voilà, ça me permet de retomber effectivement ici. Ok. Ouais, donc c'est pire, j'aurais pu venir directement ici, ça m'aurait évité de faire tout le tour que je me suis tapé. Comme tuer un petit peu les mobs. Hop, donc nous, notre côté, retour au vaisseau. Donc maintenant, nous retournons. Canyon des Mikoro. Mikorok. Ça avait été avec le code Godens. Ici, il y a un coffre. Hop. Et cette fois-ci, avec le miroir de... maintenant que j'ai le miroir de cet astre, je peux récupérer. les deux symboles, le symbole de Vénus pour elle, vous récupérez donc des airs. Donc quand on a allé effectivement, on a déjà récupéré quand on a allé effectivement refuge. Le deuxième, vous le débloquez qu'une fois que vous avez récupéré, fait toutes les quêtes de Pampa. Autant vous dire que ça a pris de prendre un petit moment. Waka. Alors, que je reprenne les notes. Ah, il faut que je fasse du blitz pod avec Waka, c'est tout qui est chiant. Donc ça le ferait sans vous. Donc Waka, je vais vous montrer. On va juste par contre faire une sauvegarde, parce que quand même on avance un petit peu dans les quêtes. Non, je suis là. Waka est, je trouve, le plus chiant. Luca, j'allais beaucoup trop loin. Je suis beaucoup allé trop loin, c'était Luca. On doit aller. Alors, je ne sais plus si j'ai déjà le symbole de Mercure ou pas. Est-ce que j'ai déjà l'objet symbole de Mercure? Équipement, auto, objet clé, symbole de Mercure. Je ne l'ai pas. Donc, il faut aller dans ces vestiaires. Ah, d'ailleurs, ça c'est une... une sphère de jet, ça. On va apprendre, hein. On est à côté. Hey, Aurin, did you get that last match? Yeah, but I don't understand why you wanted me to. Didn't you say you have Blitzball in your Xanarkand? Not a sportsman, are ya? Working on your form? My form don't need no work. I'm the great Jet. It's for my kid. Your son plays blitzball? Yeah, and he wants to beat his old man bad. Once I told him to give it up, he didn't speak to me for a week. Wonder what he's doing now. I hope he got bigger and put on some muscle. Hey,
What's the big idea? Stop shooting. Voilà. Donc ça c'était bonus. Donc vous retournez dans le vestiaire originel. En allant ici, bah, vous retrouvez votre équipe hein, au grand complet. Et si vous vous approchez, je ne sais plus de quel endroit. Voilà. Ici, le symbole Mercure dans un vestiaire. Voilà. L'un des sauts, donc là vous avez vu, j'ai récupéré facilement. Le deuxième, pour être débloqué, il faut gagner une compétition de Blitzball. Je vais vous montrer tout vite fait. En fait, il faut faire une coupe de. Il faut faire une coupe. Comment c'est formulé le truc? En gros, c'est une récompense qui est proposée dans les coupes. Donc c'est une probabilité de l'avoir. Vous pouvez débloquer effectivement certaines compétences. Et surtout, vous récupérez certains overdrive de Waka avec les matchs de Blitzball. Donc autant vous dire que c'est le truc le plus long du jeu et le plus chiant du jeu. Même moi, ça me fait chier. Rien qu'en y pensant. Mais bon, c'est le jeu. Donc pas trop le choix. De mémoire, je n'aurai pas parce qu'il fallait que je fasse au moins une coupe de Blitzball et finir troisième. Donc l'arme, je ne l'évoquerai pas tout de suite. Il faut que je fasse une coupe et au pire, on la débloquera ensemble le prochain coup. C'est pas un problème. Voilà. Et maintenant, on va pas. Vous parlez à cette personne-là et vous donne l'arme de Waka. Le problème, c'est que la suivante, il faut vaincre le Bob. Il va être compliqué à vaincre. Il faut aller au temple de Bage. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça va prendre un petit peu de temps pour refaire. Parce qu'il faut que je up mes personnages. Donc, ça, je ferai hors ligne. Je vous cache pas que là, je vais commencer à me giver les objets pour améliorer mes équipements ou autres et pour accélérer les level up, etc. de mes personnages. Hello. Hey. Nah, those monks are pushovers, I tell you. I'll fleece any priest or my name's not Owaka. Huh. Sorry. No problem. And you know, I had a sister. Once as old as sister, you see. A summoner she was, went on pilgrimage at a young age. And that was it. Me and once, well... Neither of us were fighters enough to be guardians. I think about it every day. I do. If we could have helped her, least I can do is try to help another summoner. I forget. And Lady Yuna, she looks so much like... Huh? It's nothing. Say, thanks. Bah, un peu l'explication de... Once has got all the good stuff. Donc, voilà, c'est pas grave. Vous avez un petit peu idiot. C'est juste, je suis allé ici, en fait, c'est pour vous montrer. Enfin, j'y suis déjà allé de mémoire, mais en gros, si vous voulez. Voilà. Voilà. J'ai pris tous les audiosphères, voilà. Et si vous prenez les restes. Voilà, 40. Donc vous voyez, j'ai 40 cinématiques, j'en ai 40. Vous voyez, cinématiques. Je vais pas les prendre maintenant, j'en ai rien à faire. C'est juste, ça permet de revoir les cinématiques du jeu. Les autosphères, je les ai pris, comme ça au moins ça c'était fait. Elles étaient un peu moins chères. Donc, ensuite, le chevalier oignon, l'arme légendaire de notre cher Lulu. Qui permet de faire sauter les limites de dégâts de Shiva, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Vous la débloquez en allant au temple de Bage, le temple que nous avons débloqué, mais que nous sommes morts au tout début parce que il y a un mob assez vénère devant. Donc on récupérera dans ce temple-là. Vous récupérez le saut de Mars en esquivant 200 fois la foudre. Et vous récupérez le symbole de Mars en vous rendant à Guadalsalam et en retournant dans le... comment ça s'appelle?
Why are you in Guadalsalam? What business have you here? You want to start something? If it would please you to harm a defenseless old man, then burn me, boil me, it matters not. Huh? Lord Seymour is gone. No lord rises to take his place. The Guado merely wait for Sin to come and finish us off. Why should I care what you do to me? If it meant rejoining Lord Giscoll and Lord Seymour, then your taking off my head would be the greatest kindness. Voilà, de toute façon, on ne va pas nous embêter. Donc, nous esquivons tout ça, nous allons retourner là-haut pour récupérer le symbole de Mars. Voilà, ça, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, Benevolent Lord Giscoll and most wise Lord Seymour, the days spent in your service were the best in this old man's life. Those of us left behind will soon be destroyed by Sin and join you in the Fireplane. I will serve you there as I have served you in this world, always. Presque triste. Even should Sin disappear, the Guado are doomed without a leader. I'm still not the person I wanted to become. Not yet. I'll come back to let you know how things went. I hope I'll bring back good news. Voilà. Pour débloquer l'arme de Yuna, qui est liée à la lune, il faut capturer un monstre de chat que de la pleine félicité, donc ça c'est pas le plus compliqué. Le symbole solaire, il est le symbole lunaire est sur la plage. Et le sceau lunaire, vous le débloquez après avoir vaincu intégralement celle qui invoque, j'ai jamais son nom, celle qui invoque là, les chimères qu'on a affrontées, là, qu'on a fait 6 combats. Donc en affrontant elle. Au niveau de Kimari, le symbole Jupiter, on l'a récupéré au Mont Gazé. Le sceau. Il faut que je finisse les chasses aux papillons. Il y a 2 chasses aux papillons qui sont sortis, ça je les ferai hors ligne. Il faut que je les finisse, qui sont ultra durs. Et l'arme, on la récupère à pleine foudroyée. Il faut activer les 3 pierres de Pampa. On va juste faire un truc par contre pour pas perdre trop de temps. Sauf qu'il faut que je me méfie d'une chose. J'ai totalement oublié qu'il fallait esquiver, il est clair. Parce qu'en parallèle de ça, nous allons avoir aussi un autre défi. Enfin, ça va lancer aussi une autre série de quêtes. Les Pampas. Les Pampas, en gros, une fois que vous avez libéré le tout, vous avez ce qu'on appelle les Pampas. Les Pampas sont des petits cactus et en fait, il y a des défis pour chacun d'entre eux pour les vaincre. En fonction du nombre que vous arrivez à vaincre, il y en a 10, il y en aura 10 à avoir. Si vous manquez 1 ou 2, vous avez une potion, 3 à 5 un élixir, 6 à 7 un méga élixir, de 8 à 10 une sphère de réunion. Donc, ces mobs sont compliqués à affronter et sont même très fatigants. Nous, on va déjà faire un truc. Voilà, si vous faites carré à côté, enfin, si vous faites le symbole qui vous demande à côté, ça va permettre de libérer les pierres. Je crois qu'il y a un
perdu derrière. J'avais oublié ce coffre là. Donc le premier est là. Faut juste que je fasse gaffe parce que à cette plaine il y a une sphère qu'on voit ici. Il y a malheureusement un petit problème, plutôt un adversaire où il faut se méfier. Il y a la chimère purgatrice de la foudre Ixion qui se trimballe par ici. Donc je vous invite vraiment à être très très prudent. Bon, ce qui me fait rire, c'est quand même les sphères, on les récupère sans forcément que vous voir, les sphères de jet. Ah bah j'ai pas parti dessus, je voulais le faire après, mais... Hey, hold it steady. Why am I doing this? What do you see there, my lord? Oh, I was just thinking. This is important. No fooling around. You're gonna spoil it. Are you all right? Now there's a scene for posterity. Yeah, yeah. Voilà, on va récupérer la troisième S. Ah putain, la troisième fois de CE, elle va être chiante. Ouais, j'ai déjà oublié ce coffre là déjà. Il y a deux. Ah non, c'est bon, il est là. Ah, je pensais qu'il était plus un autre. Mais surtout ne pas aller voir le garde, ne pas lui parler. C'était pas celui-là. C'était là-bas. On a vu l'aura s'en dégager. Et le problème, c'est que je crois que si je vais trop loin... Faut vraiment que je sois très prudent parce que je sais qu'il y a Ixion dans cette partie là. Ensuite c'est dans la partie sud qu'il faut retourner. Bah, là on a libéré Aigle Pampa. Je crois que c'est en montant. De la pleine félicité au lac de Macarena, je crois que c'est là que vous déclenchez Ixion de mémoire. Ou c'est en parlant aux gardes. Je ne sais plus. Donc on redescend, maintenant qu'on a fait ça. On aurait pu le faire au début de la partie, mais bon, c'est vrai que je préférais. C'est entre la tour 1 et 2 de mémoire. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit pampa. Vous appuyez sur carré comme vous avez fait pour le reste. Et vous débloquez la fameuse arme de Kimari. Voilà. J'ai juste retourné sur Auron, j'ai vérifié où sont les sphères.
Voilà. Alliance de Kimari. On a bientôt fini. Hop, cet épisode, et après moi je m'occuperai un petit peu tranquillement. Quoique j'aimerais bien quand même vous faire deux trucs. Si je peux vous capturer juste pour vous démontrer le déblocage de Nirvana, ça me permettrait moi après de faire le reste. Sinon faut que je capture tous les mobs et qu'on y aille après ensemble. Donc, ensuite, là nous avons fait les objets. Enfin, quasiment toutes les trucs légendaires. Là, on va juste refaire un petit truc, c'est qu'on va récupérer les sphères jet. Quasiment toutes, sauf une. Une, pour la récupérer, vous avez l'obligation d'affronter une chimère purgatrice. C'est-à-dire qu'il y a une des sphères jet qui est à côté du temple de Bezet. Donc le seul moyen, effectivement, pour retourner au temple, c'est d'affronter Valfort purgatrice. Autant vous dire que j'ai pas la force aujourd'hui pour le faire. Le personnage est beaucoup trop faible en vrai. Donc nous, à base, on va aller ici. Nickel, toi c'est marrant. Il faut embarquer sur le bateau et vous allez comprendre pourquoi il faut embarquer dessus. Donc la sphère 1, c'est celle qu'on débloque en vainquant le monstre mémoriel au milieu de la forêt. Le 2, donc c'est celui du temple de Bezet. Le 3e sphère, c'est celle-ci que vous récupérez là. After you get that Aeon from Besaid, where are we going? Back the way we came. Then we go north from Bevel and climb Mount Gagazet. Beyond it lies Xanarkand. Xanarkand, huh? It's been in ruins for 1,000 years, right? So the legends say. No one knows for sure. It still could be your Xanarkand. Thanks for trying, Orin. I thought if I went with you guys, I might find a way to go back. But it's not that easy. I'm sorry. No need to apologize, Braska. It's not your fault. I should be thinking about fighting Sin now anyway. Xanarkand can wait. But I will find my way back. Be careful, Jekt. Hey, I'll be all right. You're the one that should be careful. Wouldn't want your little girl to cry. She'll be all right. She's strong. Like her mother was. Bah donc ça, c'est bon. Nice to see you again. You! You really quit the Knights? Yeah, I did. Elma was upset with me, but Captain Lucille understood. Now I'm working as a chocobo breeder on this ship. I really, really love taking care of chocobos. Being with chocobos all the time, I think I've found my calling. And it's all thanks to you. Thank you. Well, I'm happy for you. Oh, yeah. I found this in one of the chocobo nests the other day. It's no use to me, so I want you to have it. I have to go now. It's time for lunch. Hey, I want to talk to you some more. I meant I have to feed the chocobos. They get really upset if they're not fed. See ya. Voilà. On va faire tout le jeu. Ça vous permet de revoir plein de choses comme ça. Ouais, et en descendant, voilà. Maintenant qu'on est ici, je peux... Donc, la sphère numéro 4. Donc, la 3, on l'a récupérée. La 4 est à Lucas, dans les vestiaires. On l'a vu tout à l'heure. La 5. On va la récupérer et sur la route de Miem. Comme vous avez vu, j'ai tout fait sauter les combats pour qu'on aille un petit peu plus vite. Mais si d'un point de vue optimisation, vraiment, là, ce qu'il faudrait faire, c'est faire tous les combats. Même si ça rapporte un tout petit peu d'XP, ça serait plus intéressant pour optimiser.
1000 de chocobo, c'est quand même pas donné. Bon, on fait certains combats qui rapportent plusieurs milliers de guilles, je sais jamais comment ça se prononce. On est bon. Moi, juste au niveau des objets clés, sphères. Est-ce qu'on peut voir à combien de sphères je suis? Non. C'était trop beau pour espérer. Donc, nous allons refaire retour. Ouais, j'ai vraiment séparé les deux, comme ça pour ceux qui veulent regarder. Cette vidéo là effectivement c'est plus une vidéo, on n'a pas beaucoup avancé dans l'histoire. On a quand même affronté un peu Sin où on s'est fait démolir contre la quatrième phase. Je n'ai pas fait beaucoup d'expérience, c'était beaucoup de dialogue et surtout c'était beaucoup de blabla et de... Il y a juste les combats d'invocation qu'on a fait qui est intéressant. Niveau combat, là par contre c'est beaucoup de... c'est eux qui prennent parfois du temps, c'est malheureusement l'exploration et le farming. Donc ça je m'en occuperai tout seul, tranquillement de mon côté. Voilà, une nouvelle sphère qu'on a trouvée, la voici. Giant fiend that attacks chocobos. What's it waiting for? Hey, come out and fight! I told you this was a waste of time. Hey, come on. It's the right thing to do. Everyone's depending on us. Besides, it's good practice. I guess you're right. Well then? Ha! There it is! Aaron, let's get him! Right. On sait quel monstre ils ont affronté, hein. On l'a démoli, on l'a fait tomber dans le vide. Le mangeur des chocobos. On peut retourner au vaisseau. Donc la sphère numéro 6 se trouve à Sereno. Là où on va aller tout de suite. Sur de mémoire, la rive sud de mémoire, il y est. Et de mémoire, c'était vers la sphère de sauvegarde de la rive sud. Exactement. C'est là, j'ai une bonne souvenir. La 7, on a récupéré un peu avant. La 8, c'était la Macalania. Stupid again. I can't believe you attacked that shoe puff. Lord Braska had to pay the handler for damages from his own travel money. I said I was sorry. It's never gonna happen again. I promise. Ah, a promise. Which you'll forget come tomorrow. Aaron, please, he did apologize. He knows he was wrong. That's it. Only thing I drink from now on is shoe puff milk. You're sure? We're on a journey to fight Sin and save Spira, right? If I keep screwing up and making a fool of myself, my wife and kid are never gonna forgive me. That's on the record. Vous savez le shoe puff qui s'est fait attaquer? Allez, celui avec la cicatrice. Or, on nous avait dit que c'est Jet qui l'avait attaqué. Voilà. Ensuite, la sphère numéro 9. Sphère numéro 9, elle est où celle-ci? Après, c'est les sphères spécifiques d'Oron et de Braska. Braska, on l'a au Mont Gagazet. On l'a déjà récupéré quand on y est allé. C'est celle où il fait un peu ses adieux à Yuna, tout ça. Et l'autre, je ne sais plus où elle est, celle qui manque, route des micro. Je débarque là, c'est plus prudent. Ça m'évitera de déclencher par inadvertance la chimère purgatrice.
Actuellement, la seule solution que j'ai comptée chez Mercugatrice, c'est que j'utilise Yojimbo et que j'espère qu'il me fasse Damato. Damnato. Voilà. C'est... espérer beaucoup quand même. Donc nous, on va tout de suite tourner à droite. Et en fait, pour récupérer cette sphère-là, c'est la sphère d'Oron. Il faut retaper tout le truc et de mémoire et vers le chemin. Le précédent de la route s'offre à vous, c'est la façon. C'est ça, il est vers l'ascenseur. Donc je viens de vérifier avec un guide. On sera bon. Bien évidemment, je vous conseille, si vous savez le temps, combattez les mobs en capturant à ce moment-là du jeu, ça évitera effectivement que vous mouriez. Et surtout, ça vous permettra d'avancer sur les captures de mobs pour le centre d'entraînement. Tac, 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 tac. Une fois que vous aurez capturé d'ailleurs tous les mobs, alors quand je dis tous les mobs, ça veut dire que route de mi, ça veut dire que vous avez fait aussi le temple Omega, par extension. Et ça veut dire aussi que vous avez fait Sin. A savoir que Sin, une fois que vous avez. Là, on a arrêté en phase 4. Bah, une fois que vous vainquez cette phase 4, vous rentrez dedans et vous allez devoir affronter d'autres mobs. Pour arriver jusqu'au bout. Et oui. Non, ça serait trop beau. Et d'ailleurs, on voit la sphère déjà. Elle est ici. Et avec tout ça, on aura fait déjà un bon petit. Là, mine de rien, on a quand même bien avancé. Ça m'a demandé beaucoup de préparation, je me suis beaucoup battu contre les problèmes de bug et finalement j'ai jamais pu gagner ce bug là de la course qui se lance pas, mais c'est pas grave. Nous avons la sphère d'Oron et il m'en manquera plus qu'une. Thanks for everything, Kinnok. I know I don't need to tell you this, but guard Lord Brasco well. That I will. And you'll be busy too. I heard they made you second in command. You know that promotion was meant for you. You were always the better one, even until the end. You make it sound as if I was going off to die or something. I will see you again. Yes. Well then. Going already? You will tell me about Zanarkand when you return, won't you? Farewell. Triste. Voilà. Tristitude. Voilà. Hop. Et à rigueur, on va juste se prendre encore un petit instant en plus. On va capturer les 9 mobs. De la pleine félicité. Et on sera bon. Donc le Kuga. Enfin les Kuga. C'est plutôt des bons objets. Ça. Oron, tu tapes. Voilà. Cougar, un des 9 mobs. C'est bon, on a. Encore quelques-uns. Le Proto Chimera, c'est un peu plus au nord de mémoire. Lycaon, c'est bon. Gogre, c'est bon. Voilà. 3 de plus. T'en fais 3 déjà. Les proto-chiméras sont dans le secteur là, de mémoire. Bon, ça c'est le meuble plus chiant de la zone. Ha
Voilà. C'est un mob qui a peu de résistance, donc vous tapez assez fort, mais ses états d'allitération sont vraiment son gros point fort. Donc là, ça en fait déjà 4. Flambeau, machin, il faut aussi que je capture. Voilà, vas-y. Voilà, l'hyperméduse. Je vais appeler ça basique, mais oui, l'hyperméduse, c'est bon, on a. Hop. Après, on restera à quête, flambeau et cuirasse. Voilà, j'ai quasiment tout. Et là, en fait, là, sur les mobs les plus forts sont en haut, donc. Donc là, j'ai eu les mobs les plus forts. Et on va retourner dans le sud de la pleine félicité, parce que dans le sud, il y a les mobs entre guillemets plus faibles. Je dis bien entre guillemets. Et une fois qu'on aura récupéré les mobs dans le sud, on débloquera comme ça le premier rang à l'arène, enfin au centre d'entraînement. Et surtout, ça me permettra de débloquer Nirvana, le bâton légendaire de Yuna. Je crois que le sud... Si jamais, oui, que, jamais commence à se mapper cette zone. Donc... J'aurais pu utiliser l'outil. Tout, tout. Donc faut trouver juste où ils sont. Une fois qu'on aura trouvé, on sera bon. C'est ça le truc qui est un peu chiant, c'est ça, c'est les captures, c'est un peu aléatoire, c'est lié sur de l'aléatoire, donc c'est la partie qui est chiant. Parce que ça dépend des plus, en fait, farmer et combat, espérer tomber sur les bons combats pour récupérer les bons personnages. Enfin, les... J'ai déjà ceux-là, mais bon, c'est pas grave, hein, on va... Bon, ça m'arrange, hein, enfin, ça m'arrange. Plus ou moins. Ça m'arrangerait de finir avec les mobs que j'ai besoin. Pareil, les ultis de Waka, vous les débloquez en faisant des coupes de Blitzball. Qu'il est pas de capture à un moment, on avance un peu. Alors, ça paraît logique, mais vous ne pouvez pas capturer de robot, hein. Que ça continue à farmer tout tranquillement de mon côté. Je suis pas dans la bonne zone. Non, oui, je suis pas dans la bonne zone d'affrontement. Là, plus je monte, plus c'est que des cougars et des robots, les gars. En bas, c'était que des cougars, donc ça va être plus à droite, à mon avis. Je vois pas d'autres explications.
peut-être davantage en s'approchant de là-bas. Et bien, c'est qu'on va bientôt avoir tous débloqués au moins, les couleurs. Ils auraient bientôt les 10. Ta zone, toi. Capturé, Gigomide est capturé, bon. Voilà. De mémoire, il manque la guêpe. C'est bon. De mémoire, c'était le seul qui me manquait de mob. Chimera, Cougar, Ogre, Licaon. Ah, je sais, Kagumo. On sait que ça va prendre du temps d'aller récupérer ceux qui manquent. Bon, tant pis, on va s'arrêter là. En fait, il en manque, et ceux qui manquent, ils sont devant la grotte du prix envolé. Donc, on va aller sauvegarder ce que j'aurai pas ce que je veux. Quand même, heureusement, il faut que j'y aille, donc je vais pas pouvoir rester forcément plus longtemps. Donc, ce que je ferai, c'est que je préparerai. Là, il y aura peut-être pas d'épisode de Final Fantasy avant un petit coup, le temps de préparer tranquillement tout ça. De capturer tout ce qu'il y a à capturer. Et donc par extension d'être prêt pour la suite. La seule chose qu'on va faire encore ensemble, c'est ceci. Je vais sûrement faire aussi de l'optimisation de ce ferrier. Ou pas, je suis en train de me dire, ou peut-être même pas. Si je commence à partir là-dedans, ça me prend un temps monstre. Je verrai, peut-être que je ferai de l'optimisation de ce ferrier aussi. Voilà, il a débloqué attaque éclair, Tidus. Voilà, comme ça au moins le stream, au moins, tranquillement, voilà. Ah tiens, oui, ça part du... Et bah parfait, voilà, ça me fait un bon petit stream, une bonne petite reprise sur le jeu. Donc on continuera, je continuerai tranquillement de mon côté, donc, comme je vous disais, à capturer les mobs, à monter les personnages, une fois qu'ils sont à peu près bien montés, pour récupérer effectivement ce qu'il y a à récupérer, on pourra continuer. Par contre, je cache pas que le fait que je vais leveler, et notamment lié au Rune Omega, là il va y avoir un gros cap de différence de dégâts entre là et le prochain épisode, à mon avis. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. C'est une bonne journée. Je vous dis à ciao tout le monde.